Ma Mission TV, le miroir du monde. La loi n'a pas de couleur. C'est l'ordre du commandant suprême, ni l'autre de la loi. Ils doivent enlever les bâches, les plaques doivent être visibles. Il n'y a pas de loi pour les officiels, il n'y a pas de loi pour les non-officiels. Une loi reste une loi. Le général a été clair. Nous allons descendre sur terrain. Les véhicules plaques bâchées, les véhicules ayant des anciennes plaques, les véhicules qui ne possèdent pas de plaques, les véhicules sans plaques, tous ces véhicules-là doivent être arrêtés. Toyo qui karakende ko Martin Fayulu toyo ba ki président Yalamuka a commis porte-parole Yalamuka. Maintenant, qui est le président Yalamuka? Question mark. Tozo c'est là. Bande ko Yalamuka jusque là non ba pesi so faveur te ya ko yamba bango to pe ya ko loba na micro ya Ma Mission TV. Mais tozo luke la bino information jusqu'à ce que to kitana na source parce que biso to kitana na source pour la rose la bino information o eza réel ko la bino ngope en temps réel. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de Ma Mission TV, MM, votre chaîne d'information, je suis Bibi Kapinga, votre servante à la présentation de cette émission Kinshasa Analyse. Aujourd'hui, pour vous, nous allons vous présenter des images Oyo et Salinga Plaisir. Dans le contexte Nini, dans le contexte Yakota, là, Bakambo Zaï vraiment que les Kanambo Kanabiso, je sais que Batebele va retourner à Makambango, les sous Nini, Bibi Kapinga. Bande Konanga, nous avons un trafic d'influence, c'est comme qui moi mingi. Alors, Tolobi, les Kamounions, Oya Malam, Torozonga, pour que Tolobi l'ango. Oya ma BP, Tokolukato Lakisa, Nabato Nyon Sobazola, Ndabiso de partout, Nababonne à Ma Mission TV. Pourquoi? Parce que Ma Mission TV promettait qu'il y ait une liste, son abino et sika information et zali, lito inabino, pourquoi pas ma colonabino, koya en temps réel et sika information et zali, comme mélabino. Information et zani, information et napesabino n'a pas quoi aller. Information n'a pas quoi aller, napesabino et zan, Tokoma qui n'a moins trafic d'influence pendant un moment. Au moins que. Biso tozo tambola na ba plaque ya pembe nde ko mosusu ko mona zote mona plaque ya bleu jaune oye uta depuis Kabila le père bande ko tambola mosusu pe ko mona Kabila un plaque ya jaune à l'époque de Mobutu jaune noir misusu ko mona plaque ba masqué plaque plaque na ba masqué ango c'est-à-dire il est intouchable donc il ba simba a été. Il y a aussi un été, il y a un masqué plaque, il y a un neve à général, ou un neve à ministre, ou un nièce à premier ministre. Donc, et comment il y a un peu de lésé à tout le monde, sur le monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans la plaque, parce qu'il y a une plaque masquée, il y a une côte dans la plaque, il y a une pourquoi, parce qu'il y a une plaque masquée, il y a une priorité. C'est long, il y a un peu de trafic. Alors, je salue vraiment cette décision de la police dans le gouvernement actuel. Parce que, bande konanga, bolimbisanga, biso to souffrir, on est ici sur place, au Congo. To souffrir, on a makambouya ba plaque masquée. Au Congo, on a moutouna plaque. Ata moutoukeza malonga te mena plaque masquée. Si ko, loko moko na ina ebisa, ba kondi peut-être, o bazo la nanga ba zui décision wana. Décision moko kito ko makasi. Mais bon, quand on a dit qu'on a mis sur la plaque, il y a l'État, c'est-à-dire il y a Moussala. À l'époque, papa, le fait, Étienne Tshisekedi, Azouaka, Mondanaye, il y a Kokoma, ministre, premier ministre pour Nambo Kanabiso, quel que soit le temps à Salaka, mais il avait frappé aussi. Bakondiba, mais qu'un peu côté la paix, l'Ikambouana. Je vais vous faire passer des images. Au Tokita qui sur terrain, on a eu quand même à faire une petite analyse. Tout le monde pense que non, Moussa Lezo Salama, la police était le missi à interpeller. Misu Soubaza a outi poto na plaque nae a poto azotambola na ngona Kinshasa.
La loi n'a pas de couleur. C'est l'ordre du commandant suprême. Ni le titre de la loi. Ils doivent enlever les bâches dans leur véhicule. Les bâches, les plaques doivent être visibles. Il n'y a pas de loi pour les officiels. Il n'y a pas de loi pour les non-officiels. Une loi reste une loi. Le général a été clair. Nous allons descendre sur terrain. Le véhicule plaque bâchée. Le véhicule ayant de plaques, des anciennes plaques. Le véhicule qui ne possède pas de plaques, le véhicule sans plaques. Tous ces véhicules-là doivent être arrêtés. Et voilà donc, tout ce que l'on a dit, c'est une bonne image. Oyo et cela qui s'engage la police ces huit décisions en haut il y a qu'au sale là c'est à dire qu'au frapper parce que bisogno sont tous là qui intimidés comme on a que motoniance la plaque noire tous les balis sous souté oh la plaque noire ne oh ça la présidence oh il y a PR ne oh ça la présidence oh il y a plaque masquée y en a ne oh babengara corps diplomatique to bandai koye balis sous souté alors tellement que influence et kota kimingi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a moni et yepatali na collaboration dans la police au Ezali Kosale Labiso, Moussala, na gouvernement actuel, ton pouvoir actuel, ton moni que ko frappé ton état de droit et zo beta mutunyo, c'est ce qui nous fait plaisir. Yoroye ba ke mutunyo sa fois à la frapper. Pourquoi ba na A pas à la frapper mais na B pas à la frapper té. Félicitations à notre la police parce que service à la police nabiso et kangi batonyo j'ai vu de plaque il y a bateau ba uti nango poto ba kangi bango yo mutukano uti poto nano bimisi plaque to zotambola nango pourquoi trafic d'influence yo za la plaque il y a jaune noir il y a tango ya papa mobutu ozotambola nango pourquoi depuis wana ti lelo nango kangi sambonga plaque té. Vraiment, c'était une bonne chose de notre part. Il y a qu'au quitter le terrain, qu'on se l'abîme aux images au Bolandi. Entre temps, n'importe qui s'abîme ma mission TV. Ezali lit son abîme ici car information Ezali lito inabîme au coyo car qu'au traité. Pourquoi pas qu'on met l'abîme au peu qu'au quitter temps réel ici car information Ezali. Bon, continuez qu'on s'abonne la chaîne Oyo. Tokozang a été en fait qu'au bâtisse l'abîme au lissou information l'icolo. Il y a marambo ni on se besoin d'engrais pour ça au Italimboka. Tolaki saki bino érosion oyo est frappé et puis président de la République et puis n'a pas naïe alobaki akokita wana ye moko pour qu'il y ait quelque chose et biso tolobaki na bino to koloba makambo nyoso ya malamu kuna pe tozo zela na ngambo ya lamuka tozo zela to yeba. La place de Martin Fayulu, est-ce qu'il reste la tête principale qu'on verra partout pour lamuka ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va sortir du lot dans la restructuration donc de lamuka? Il est question dans cette restructuration de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de l'AMUKA. Donc je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulés l'AMUKA dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, monsieur Martin Fayulu sera dans l'AMUKA et reste dans l'AMUKA. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit aujourd'hui. Lamuka, c'est Martin Fayulu. Parce qu'il est le challenger principal. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. Lamuka, monsieur Martin Fayulu était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de monsieur Joseph Kabila. Et il a battu. Comme vous savez, dans l'AMUKA, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Freddy Matungulu, Monsieur Alphonse Mouzito, Adolphe, pardon, Mouzito, Boussa Namouissi, moi-même, donc, et beaucoup d'autres encore qui se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais donc a accompagné. Et comme nous disons que l'AMUKA va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation et de cette plateforme. Super! Super! Toi qui karakende ko Martin Fayulu toyeba qui président ya l'AMUKA a commis porte-parole ya l'AMUKA. Maintenant, qui est le président
il y a la Mouka, question mark. Tozo c'est là, quand la Mouka jusque là, non, parce qu'il faveur te, il y a Mabango, il y a Lobana Micro, il y a ma mission TV, mais tozo luke la bino information, jusqu'à ce que tu quittes la source, parce que biso tu quittes la source, pour la cause de la bino information, ou est-ce réel, quoi, la bino européen en temps réel. C'était Steve Conde derrière les caméras de ma mission TV ou la caméra de ma mission TV. Merci beaucoup à Steve Conde dans le montage parce que c'est lui le soldat. Hein? Ce besoin mon abat image union sort. Toi la rabino de temps en temps c'est parce que cette grande équipe avec Richard Kapuku, Steve Conde, Tosanganaka, pour notre la bino, bah image au botelaka et puis beaucoup montaka à chaque fois. Toutes les personnes qui veulent réagir. Na mosika tope na pembeni, les numéros sont affichés. Bozangate ko benga biso pour nako. Encore une fois de plus, coup de chapeau na la police, na ba généraux, nyonso oba sangana ki pour nako kata, ba arrêté à côté le mela ba plaque d'influence. Actuellement, biso nyonso to sele la plaque à pembe motoro bang sa moninga zate parce que état de droit ezo frappé mutu nyonso ezo talaté. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Toujours dans ma mission TV, ne manquez pas l'actualité. S'il y en aura, bien sûr, on va venir avec en temps réel parce que ma mission TV, c'est l'information. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.